Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, et bienvenue sur la suite de ce let's play. Ce let's play Réfléchis, BJ. Exactement, Wolfenstein The Old Blood, j'allais dire Bloodborne, c'est pas ça du tout. Hop, violence, attention, 3, 2, 1. Violence. Violence, violence. Violence. Et beaucoup de violence. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était à terre, le mec? Étrange. Bref, la stratégie, enfin la stratégie, le bourrage dans le crâne a marché. Le bourrage dans le crâne et pas que d'ailleurs, fils de pu. Hein? Et on va tout simplement continuer. Ce magnifique let's play, ce let's play qui me fait plaisir parce que j'aime beaucoup. Je suis pas un... Si, je suis un fan de... En fait, je suis un fan de jeux vidéo en général. Et les FPS me font vraiment plaisir, surtout ceux qui ont un excellent gameplay. Hein, et... Ah oui, direct. Ah, les mecs... Ah putain, ouais. Les mecs, ils se font vraiment pas chier. Boum. En morceaux. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont inatteignables? Ce truc là je le sens pas. On va utiliser ça. Il faut pas que je prenne trop longtemps pour me décider. Ah merde. Tiens. Boum. Boum. C'est quoi ce truc là? Oups. Je tire comme une grosse merde. Voilà. Je me disais bien. Oh merde. J'ai cru la voir. Oh. Mais pourtant c'est du hardscope, hein. Oh mais. Oh mais cookie nous. De où? Boum. Ah oui! Ah oui, les mecs ils déconnent pas quoi. Oh, j'ai fait un tir de merde. Oh! Mais meurs! Ok. Ah oui! Ah, il se la joue comme ça! Ah putain, la distance c'est vraiment à chier. C'est vraiment à chier. Et lui, il a plus de balles? Ah si, il a des balles. Ah putain! Ah, ça n'explose pas ça? Ah non, ça n'explose pas. Boum! En pleine tête. Non! Le mec! Il a aucun respect pour... Oh putain! Alors, ou non! Ou non! Aucun respect pour mes balles, ces gens-là. Alors là, si je meurs, je suis dégoûté, je l'avoue. Ah putain, je l'ai raté. Allez. Boum, en plein dans mon viseur, mon gars. C'est pas comme ça qu'on joue. Alors, on commence par du grand jeu, hein. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire, respectez-moi, hein. Là, actuellement, j'ai une goal de rien du tout, en fait, hein, parce que mon canon est dans les mains. On va s'arrêter là tout de suite. Il y a un public de jeunes qui nous regarde, je pense. Bref, je m'égare, je m'arrête, je me calme. Hop. Ah, ça c'est... Alors, inventaire, ça c'est vide. Ça, on a ce qu'il faut. Ça, on a ce qu'il faut. Voilà. Et ils ont des super voitures, les Allemands. Ça, c'est la même chose. Ça, ça va. Ça, il nous en reste combien? Zéro.
Très bien, donc ça va se jouer entre ça et ça. Excellent. Alors ça, je sais pas ce que c'est comme voiture, c'est pas une Jeep, mais c'est un peu cool. Ça ressemble à une voiture de Starship Trooper ou je sais pas trop quoi. Starship Trooper du passé, steampunk des années 50. D'ailleurs, ça doit certainement porter un nom. Oh les amis. Alors les amis, j'ai découvert une série qui se rapproche de ce jeu. Alors je crois que ça s'appelle The Man in the High Castle. Je vais mettre un lien dans la description hein, pour que vous voyez ça, de la bande annonce ou du teaser hein. Je crois que c'était plutôt un teaser. Et c'est lol. C'est une version alternative de l'histoire dans laquelle l'Allemagne nazie a gagné. Et du coup on suit des personnages aux États-Unis. Bah oui forcément c'est américain hein. Qui organise une résistance alors que les États-Unis sont en fait annexés par une partie par les Allemands, par les nazis, hein, et l'autre partie par les Japonais qui étaient alliés des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, ça peut être un putain. Enfin, c'est le genre de série qui fait très plaisir parce que c'est. Ça peut être très sympathique à regarder. Encore ? Non mais les mecs. Bon. Bon. Issue. Par où je passe? Oh putain. Est-ce que ça marche? En bourrant. Oh ça va pas marcher. Oh ça va pas marcher. Ouh c'est bien trop violent. Oh putain. Je ne bouge plus. Et boum, je ne bouge plus. De où viennent-ils? Et bim! Oh merde! Et bim aussi d'ailleurs. Oui, oui, donnez-moi. Non. Donnez-moi de la vie. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'esprit. Oh, c'est connard, il en faut deux, quoi, pour mourir. Oh oui. Oh, oh, oh. Comment? Direct. Je... Bim. La technique de pleutre. Oh merde. Ah non. Et voilà, la technique du pleutre. Le pleutre de base. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Le vieux chacal, c'est moi. Bienvenue. C'est comme ça qu'on joue, les amis. Hein, comme des fils de pute. What? C'est qu'à me dire. Comment? Vous ici? Est-ce que c'est battable? Oui, c'est battable. Vous faites les fils de pute, comme moi. Encore? C'est le moment destruction de la chose. Ah merde. Alors, stratégeons. Déjà, ça fait plaisir. Vide, forcément. Ça. Wow. Tu te calmes tout de suite. Non, alors ça me fait chier. Voilà, ça me fait chier. Qui me tire dessus? De où? Pourquoi? Comment? Ah putain, le con. Il m'a surpris. Voilà, tu meurs. Tu meurs. Tu ne meurs pas. Là, tu meurs. Tu meurs dans la tête. Tu meurs aussi. Maintenant. Ah, je tire trop haut. Ah non, je l'ai eu. Boum. Alors là, ah, lui il est pas mort par contre. Il en a fallu une deuxième. C'est pas faute de l'avoir touché. Ah, il se déplace, c'est un peu plus.
Bah oui, hein, je suis pas con non plus, hein. Non mais oh. Allez. Et là, ils nous ressortent un vieux chien de l'enfer qui sort de nulle part. Alors, ça. Clac, clac, crac. Ça. C'est bon. Ça. C'est bon. Ça, on s'en fout. On fait le ménage. Et vous pouvez me dire bravo, je suis en difficulté normale, ce qui n'est pas forcément déjà évident, hein, parce que c'est un jeu de fils de pute, comme moi. Qui envoie du pâté? On va piller leur cadavre allègrement. Ouh, 24 balles de Skullhammer. Ça, j'avais pas vu ça. Et bim, ça fait du bien, ça. Mais ça ne nous était pas utile, puisque c'était à distance. Car oui... Il faut adapter son type de jeu. Ça, c'est très agréable. À moitié tout détruit. Non, j'ai tout détruit en fait. Hein. J'ai pas à moitié tout détruit. Toi, t'es mort. Vous êtes tous morts. Ça, c'est à moi. C'est à moi. Ah, c'est à moi. Tout est à moi. Tout est terminé. Nous allons pouvoir avancer. Et voilà. Un niveau de terminé. Hmm. Non. Là, ok. Et là, c'est quoi? Rien du tout. Avançons. Allons dans la ville. Le mec, il se balade avec son putain d'armement. Séquence infiltration, je suppose. Forcément. Oh, bim. Peut-être pas infiltration. Paderborn. Genre le mec il les fait peur alors qu'il est tout seul. Bah c'est des nazis allemands hein, ils allaient forcément signaler toute activité suspecte. Hein? C'est dans leur gène. Oh, le racisme anti-allemand. Le racisme anti-allemand, ça existe. Des loups? Schnischgefraben. Ah, ça va, c'est le mec bourré du coin. Salut mec! C'est qui lui? Tiens, quelques pièces. Pour souper. Je comprends pas. Hörst du nicht das Schnappen ihrer Kiefer? Die Wölfe werden uns alle fressen, wenn wir nicht tun. Alors est-ce qu'il est censé nous rappeler un personnage historique connu? Wir müssen uns vorbereiten. Il me dit quelque chose. Wir müssen so viele Nazis wie möglich töten. Il me dit vraiment quelque chose. Je vais me renseigner. Je vais me renseigner. Pas des chaises longues. Je me demande qui c'est, il me dit quelque chose ce mec. Carte du village, c'est très bien ça. Ça c'est la suite. La taverne. C'est là que je dois me rendre. Mais oui, c'est toujours là qu'on doit se rendre dans un jeu vidéo. À la taverne. Et en avant la musique. Alors là, j'ai fait une légère pause, j'ai essayé de voir sur internet si je pouvais trouver des infos sur lui, ça m'a rien dit. Je n'ai rien vu du tout. Bonjour. Comment tu t'appelles? Annette. Vous, c'est comment? William J. Blazkowicz, soldat américain. Les gens vous appellent comme ça? Bien sûr. Alors oui, on dit hey, « William J. Blazkowicz !» Billy Boy. Billy Boy. Billy Boy. C'est un nom pour un erwachsenen Mann. Sinon, on m'appelle aussi BJ. Ça, j'aime bien. Vous avez bien une tête de bidet. Merci. Enfin, je crois. J'ai une tête de BJ ou de bit? Hein, faudrait savoir. Ah, à mon avis, j'allais me planquer là-dedans. Et à Kessler est un on le fait ou on le fait pas?
Vas, Fils, tout. Je suis pas d'humour à les d'humour. Je suis pas d'humeur à faire les rêves. Je les ferai chez moi tranquillement. Vous avez vu ce que c'était, hein. C'est simplement l'ancien jeu version nouveau, quoi. Enfin, c'est rien d'exceptionnel. Du coup, on le fera pas. Moi, je le ferai dans mon coin, comme un vieux bâtard. Oula. Alors ça va bastonner, là. C'est la place du marché, ça va chier. Allons-y. Les dames d'abord. Crève d'abord. Ah. BJ, William J. Blazkowicz, soldat américain. Attendez, j'ai mon casque qui fait des siennes, j'espère que ça s'entend pas. Non, ça va. L'agent 1 est mort. Ah, cache ta joie. Hein. Voilà. Fais le plein de tout. Et si on fait le plein de tout juste là, ça veut dire qu'on va bouffer méchamment. Et qu'on va prendre bien cher notre race. Soyez-en sûrs. Tiens, tu crèves. Très bien. Et deux. Des deux rama quoi? J'ai pas entendu. Je ne veux pas. On a 489 de vie. C'est un peu la folie. Oui. Ouvrez la trappe qui se trouve près du bar. Ya. Allez si. Occupez-vous de ces nazis. Il va mourir. Tuez-les tous. Ah, il va se planquer pendant que je m'en occupe. Et surtout ne l'ouvrez que si je vous y autorise. Ah, sympa. Bon. Let's fuck them. Coucou. Ces zombies nazis sont des nazis, c'est ça? Boum. Amélioration de santé 3, fils de pute. Et bim! Boum! Ça fait mal, hein? Alors. Et voilà. Ah, ils reçoivent des renforts. Et moi, je les bute. Allez, monte. On se moque, t'en as. Bordel, mais y'a combien de putains de nazis sur cette terre? Beaucoup. Beaucoup trop. Bon, toi tu me fais chier. Toi tu... Allez, venez. Voilà. C'est comme ça qu'on veut. C'est comme ça qu'on fait. Boum, 2 et boum. Et 3. Ah, la mise à jour s'est installée pour The Witcher Wild Hunt. Donc rien à voir avec le jeu, mais c'est sympa à savoir aussi. T'as les mecs, ils sont en carton, hein. Boum. Voilà. Oh non. Voilà. Bon. Il est temps d'ouvrir cette trappe. Oh, c'était plutôt facile.
excellent. Ah, les amis, alors là, vous avez de l'action. Hein. Cet épisode, c'est l'épisode de l'action. Là, c'est... C'est la gérance. Parce que je suis bon. Je m'étonne moi-même. Je m'étonne. Ouvre. Hey, les nazis sont tous morts. Vous pouvez... L'Amérique ! J'ai rien dit. Oh non ! Enfin, si. Bah, c'est cool, quoi. Ah, ok. On l'a mal joué, là. Ya, j'ai tué toi, ta chienne. J'ai tué ton chien. Y'a un truc à faire ? Ah, j'ai raté. Bah, ah voilà. D'accord, je comprends. Je comprends mieux. Ah, je vais mourir! Je ne peux pas mourir! Oh putain! Ah putain, fils de pute! Par où il va? Ah, c'est du tir au pichon. C'est quelque peu tendu là. Et moi non plus j'aime pas la pizza. Et voilà, non. Eh mais attendez, trop con. J'ai ça moi. Boum. Et voilà. Tu parlais alors que tu ne parlais pas. Oh. C'était bien trop violent. Bon là on l'a tué le mec, on est d'accord. Hein. Ça va aller. Je suis navré pour votre ami. Merci. C'est moi, il y a des bugs du son là. Comment s'appelait-il ? Wesley. Et pour la fille. Non. Il y a effectivement encore des bugs de son. Une rescapée d'un convoi de déportés en partance de Wolfsburg. Sa famille a disparu. Il ne lui reste que moi. Mm-hmm, c'est tout ? Alors on va suivre Jean Rachid. Il va nous expliquer de quoi il en retourne et on va éteindre parce que le temps de la vidéo arrive à sa fin. Et oui, c'est pas les vidéos des Witcher qui durent une heure. Les vidéos de l'amour du Witcher. Ah oui, je vais continuer Thief aussi. Photos, des lettres, tout ce qui lui reste de sa famille. Je ferais mieux de les prendre. Suivre Kessler. Très bien. Frierst du, meine Liebe? Mir geht's gut. Elle s'appelle... Montez, agent Blaskowitz. Il ne faut pas traîner. Elle s'appelle Anna... Non, comment elle s'appelle? Mais monte. Ah. Comment elle s'appelle... Merde. Je me souviens plus comment elle s'appelle. Anne Frank, pardon. C'est Anne Frank, en fait. Mes affaires! Je les ai prises. Je les ai prises. Tiens. Oh. Bah voilà. Merci. Alors, où est-ce qu'on va, Kessler ? À Wolfsburg. C'est là que se trouvait le gars. Et le dossier que nous cherchons. Le... Qu'est-ce qu'il y a à Wolfsburg ? La ville des loups ? La mort à Jean Blaskowitz. Et la destruction. La
Très bien. Partie 2, les sombres secrets d'Helga von Chabes. Welcher Tag ist heute? Le 17 mars. On est dimanche. C'est le jour de Pourim alors. Pourim? Ouais. J'ai fabriqué ce cadeau pour mon ami dans l'atelier de mon père à Wolfsburg. La tradition veut qu'on offre de la nourriture. Mais je voulais qu'elle ait quelque chose de spécial. Qu'est-ce que c'est? Un chat. Son animal préféré. En fait, j'allais lui donner, mais les nazis sont arrivés et... Bin ich schon so lange hier? C'est une ville de secrets. C'est une jolie ville. En tout temps assaillie par la mort et la destruction. La mort et la destruction. Et maintenant, Helga plonge un bâton dans ses entrailles pourrissantes, avec la curiosité morbide d'un enfant. Étrange. Was ist in der Tasche? Des tracts. Ma femme avait l'habitude d'en distribuer des comme ça dans Berlin. Des comme ça? Ces chiens de nazis lui ont mis la corde au cou pour ça. Schrecklich. Schrecklich, ça veut pas dire je suis navré, ça veut dire que c'est effrayant, je crois. Herr Blaskovic kümmert sich um dich, wenn ich weg bin. Plutôt Entschuldigung? Oh, je sais plus. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Très bien. Bon, on joue? Ah, le jeu m'a écouté. Chapitre 5, Wolfsburg. Agent Blaskovic, vous devez retrouver l'agent 2 du BAS. J'ai appelé pour prévenir de votre arrivée. L'agent 2 sait où trouver Helga. Parfait. Tout est mort pour un simple dossier. Oui, oui, oui. Et encore davantage si on met pas la main dessus. Allez, c'est parti. Annette et moi resterons cachés ici. Très bien. J'ai volé du matériel radio à ces chiens de nazis. Utilisons-le pour communiquer. C'est encore mieux. Ça. Ensuite, sortez du bateau et aidez-moi à le pousser sous l'embarcadère. Alors, avant de continuer, on va tout simplement s'arrêter là. Donc, je ne le prendrai pas, ton matériel radio. Tu vas rester comme ça à me regarder comme une vieille merde pendant 5 ans. Et, oh, une mouette ou un goéland. Monsieur Blaskovic, prenez la radio et poussez le bateau sous l'embarcadère. Ta gueule. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la prochaine. J'espère qu'il vous a plu. Alors moi, je me suis surpassé au niveau de tout. Ça. Voilà, il me fait chier. Je me suis surpassé, hein, clairement. Du coup, n'hésitez pas à commenter, aimer, partager, etc. Comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. À plus.